Et salut tout le monde, c'est Garnick, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crash Landing. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu bossé par rapport à la dernière fois, j'en avais marre de me faire casser la gueule. Donc, j'ai plus de... J'ai bien avancé, j'ai fait un mur tout autour en bois, donc on peut voir qu'il y a tout plein de mobs. On va pas aller les embêter. Donc j'ai bien avancé, je suis dans un environnement assez safe, j'ai fait cramer du bois pour avoir des torches, enfin pour avoir du charcoal, donc des torches, tout ça, tout ça. J'ai placé ici l'autonus activator. En fait, si je place tout simplement du sable dedans, ça va automatiquement le déployer et aller, entre guillemets, le process. Donc si on attend un petit peu, on voit que le truc augmente tout seul, 75, 82, 98, je pouf. Voilà, et ça drop son contenu. Donc ça, c'est pratique quand je fais autre chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ah oui, j'avais réparé un peu tout ce qui avait pété ici. Ce que j'ai surtout perdu, c'est mon coffre avec tout mon stuff. C'est surtout ça que j'ai perdu. Sinon, le reste, ça peut aller. Tiens, j'ai débloqué Underpressor. Bon, on va essayer de finir les basic quests d'abord. Normalement, j'ai fini... Ouais, j'ai fini celle-là. J'avais tout préparé, j'ai tout dans mon inventaire. Et ce que je vais demander à avoir, c'est une Ardened... Alors par contre, elle est vide, mais au moins j'ai eu une Ardennette gratos. Par contre, j'ai eu un Ardennette Flux Capacitor plein, et ça, c'est chouette. Donc, ça, on va le mettre dedans. Je sais plus c'était quoi le troisième truc. Ah oui, bah tiens, je vais récupérer ça parce qu'en fait, je suis un gros boulet. J'aurais pu, dès le début, ne pas mourir. Enfin, m'épargner des morts atroces. En tout simplement en utilisant ce truc-là, la Shell Constructor. Donc, il suffit de faire un clic droit et de l'alimenter, donc c'est bon. Et ça va commencer à construire un clone de moi. J'avais utilisé un petit peu dans ma saison de la BSA, ma saison 3. Et ça va me permettre, si je meurs, de réapparaître dans ce clone. Donc, ça me fera une vie supplémentaire en fait. Donc, j'aurais pu le faire dès le début, ça m'aurait évité des problèmes et je le savais pas. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai trouvé comment je vais faire pour avoir. Je sais pas y arriver. De la dirt, voilà. Décidément. Il faut faire un truc de ce genre-là. Voilà, cette bestiole-là. Donc ça s'appelle un barrel, tout simplement. Et ça, je vais le placer. Je peux placer à l'extérieur, on va dire. C'est normalement safe. Alors comment ça marche? Il faut mettre des feuilles dedans. Et pour récupérer les feuilles dans Minecraft, ce qu'il faut, c'est. Toc toc. Une cisaille, un petit. Petite cisaille, oui. Et du coup, si je fais ça, hop, hop, hop. Je vais tout de suite le faire et que je fais, enfin, il faut mettre plusieurs. Hop, voilà. On voit que ça commence à processer, ça composting et ça va me donner de la dirt tout simplement. Donc, c'est plutôt sympa du coup. Ça va permettre. Alors, j'ai pas compté combien ça m'a coûté, je crois qu'il m'en fallait 8 ou 9, je dirais. Il y a un peu des monstres partout, ça me fait un peu flipper. On va dire que je suis safe ici. Pas trop. Ah, c'est là-bas, on m'a tiré dessus. Fumier. Donc, ça, c'est bon pour ça. Donc, ça va me donner de la dirt dans pas longtemps. On va manger ça, il me reste plus beaucoup de bouffe. La bouffe, ça commence à être un peu critique. Pour ce qui est ici, il faudrait que je vois si je peux crafter un portable tank. Pas le créatif, le plus pourri. Il faut des fenêtres. Est-ce que j'ai des fenêtres pour ça? Il me faut du sable. Et pour avoir du sable, il me faut que je pulvérise de la cobble. J'ai pas de pulvériseur pour l'instant. Sinon, il faut du gravier. Est-ce que j'ai de la cobble en rab quelque part? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai de quoi en faire? Oui, j'ai de quoi en faire. On va prendre deux de cobble. Vous savez quoi, je le ferai après. Pour l'instant, ça sert à rien, je l'aurai pas assez. Donc, ce que je vais faire normalement ici, c'est récupérer toc ma dirt. Donc, on va mettre une, deux, trois d'espace. Puis on va remettre une nouvelle sapline. Et avec les feuilles qui me restent. Alors j'en ai 49.
Donc il m'en faut 8. Il m'en faut 8. Donc c'est pas beaucoup, ça va encore. Hop. Donc ça c'était première chose. Deuxième chose, normalement j'ai fait encore une fois le boulet. J'étais censé récupérer la lave qui était là-bas. De, si vous vous rappelez, il y avait un truc qui faisait cramer les mobs et qui du coup causait des explosions. D'ailleurs en parlant des explosions, j'étais censé les désactiver. J'aurais mieux fait de lire. Faudra que je le fasse d'ailleurs. Mais ouais, j'étais censé désactiver les explosions. Et des creepers, ça m'aurait évité bien des problèmes. Donc je le ferai pour la prochaine fois. Enfin ouais, je le ferai une prochaine fois, c'est pas gênant. Mais oui, il y avait une source de lave un peu bizarre, donc c'était bel et bien de la lave, qu'il fallait tout simplement... Hop. Excusez-moi, je vais juste replanter un petit arbre aussi ici, ça va être tranquille. Qu'il fallait récupérer avec un seau, donc je l'avais expliqué que comme je comprenais pas pourquoi tout pétait, je l'avais détruite et je me disais que je cheaterais si jamais il y en avait besoin. Donc c'était bien une source de lave et du coup je vais juste me permettre de m'en cheater une, comme je l'avais dit, hein, parce que sinon je suis un peu bloqué. Donc lave, ok, il atterrit un peu bizarre le truc. Lava bucket. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1, 2, 3 pour le saut. Voilà. Et voilà. Donc, je suis rentré dans la légalité. Donc, ma source de lave, je vais m'en servir pour faire un générateur de cobble. Ça serait chouette. Que je vais placer vite fait ici. Pourquoi pas. Et la flotte ici, je vais pas la prendre tout de suite. Je vais d'abord compléter une quête qui me demandait d'avoir un seau avec de l'eau. Par contre, je sais pas c'était laquelle. Celle-là. Voilà. Ça m'a redonné une sapline. Puis quelques feuilles, je crois. Par contre, j'ai perdu le seau. Oh, les fumiers. 1300. On va le remplir. Voilà. Ce que je veux faire, c'est un générateur de cobble. Pour cela, il me faut la source comme ça. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est un générateur de cobble basique comme je le fais toujours. Il y en a des plus optimisés qui permettent d'avoir plus de cobble, tout ça, tout ça. C'est pas grave, on y survivra. Donc ce qui est bien, c'est que je commence du coup à avoir un petit stock de dirt. Et ça tombe bien parce que je vais devoir... Alors je vais le placer genre comme ça, tout du long, de ce côté-là. Est-ce que je vais pouvoir du coup me faire, enfin planter un truc que j'avais eu, une graine que j'avais eu, je crois que je l'ai perdue en fait. Ça pue du cul. Ouais, j'ai perdu. Ah, j'ai besoin de flotte, vite, de l'eau. Donc c'est assez critique encore cette histoire d'eau. Ouais, faut que je récupère des pousses d'arbres. Alors j'ai plus d'os de squelette du coup, enfin j'ai plus d'eau. Du coup je peux plus avoir plus de chances de les avoir. Faudrait que j'aille, je vais attendre que ça crame un peu dehors et puis là ça a l'air d'être bien cramé, je vais aller faire un petit tour. En mode pas très safe, mais bon. J'ai besoin de sapline. Là, j'en ai récupéré une ici. On va tenter, hein. On verra bien si j'arrive à m'en sortir. Normalement, j'ai encore des balles. Non! Ça commence bien. Allez. Ça me permet de compléter ma quête qui me demandait de tuer les... Oh, j'ai pété déjà plein de trucs. Qui me demandait de tuer des creepers. Bah, pas que des creepers, un peu tous les monstres. Non! Interdiction de venir, toi. Wap! Wack! Salopard, c'était pas prévu ça. Vite, 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 on remonte, on remonte. Ils se sont séparés les fumiers.
Ah, c'est Creeperna, je vous en avais parlé la dernière fois avec les jack-o'-lanternes sur la tête. Voilà, il drop des torches. Là-bas, il y avait un bébé Creeper, on va pas trop l'embêter. On va essayer de reconstruire tant que faire se peut tout ce bordel devant là. Normalement, je devrais être un peu plus tranquille. Oh, je vais pas avoir assez de trucs. De dust. Clairement pas. Et comme c'est soumis à la gravité comme du sable, je peux pas le faire à l'arrache. Voilà. Ok, donc on va laisser ça comme ça, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher ça. Il va falloir que j'aille en récupérer un petit peu après. Je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Ce que je vais juste faire, c'est ça. Voilà, comme ça, les monstres n'y viendront pas. C'est safe ici, c'est safe ici. Vite, j'ai besoin d'eau. Oh, j'ai encore besoin d'eau, c'est pas possible. Transposeur. Ah, je peux récupérer ça. Ah, je pouvais le faire en bois aussi, ce machin-là, c'est vrai. Vite, 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 va falloir que je bois. Pour ça, il me faut des saplines, s'il vous plaît. C'est pas assez. J'ai plus rien qui va me donner de l'eau. C'est pas bon pour moi, ça. Bon, au pire, si je meurs, j'aurai mon clone. Ah bah, qui est ici, qui est fini. Ouais, j'aurai mon clone, au pire, si je meurs. Cette fois-ci, je me fais pas avoir. Allez. Allez, drop-moi des sablines, enfoiré. Forêt d'arbres. Ah, voilà, j'en ai vu au moins une tomber. Alors, ça fait perdre du temps tout ça, j'ai d'autres choses à faire. Hop. Ah, là ça va être bon. Je vais fermer ça au cas où. Je vais commencer à ranger des trucs. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. La bouffe, je garde. Tout ça. Manger. Et boire. Purée, j'ai mangé toutes les pommes d'un coup là. Voilà. Donc ça va redescendre très vite. Je vais faire une petite coupure, les amis, le temps de me refaire une bonne source de d'eau et je reviens tout de suite. Voilà les amis, je me suis refait une santé, faudra que je coupe tout ça. Là, on va récupérer un petit peu de cobble grâce à ma pickaxe que j'ai fait tout en os. Donc elle est toute moche, mais elle marche bien. Elle suffira pour le début. Donc voilà, générateur de cobblestone. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer ça en 4. 4. Donc il me faut 4 de sable. Voilà, on a les 4 sables. On va mettre tout ça au four. Potable tank, c'est juste un copper. Copper, je dois en avoir plein. Yes. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement ça coûte de l'énergie de remplir les canettes et c'est un peu pourri. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est un peu pourri de dépenser de l'énergie pour ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire éjecter le liquide dans un portable tank. Et le portable tank, j'aurais plus qu'à faire un clic droit avec des bouteilles vides pour pouvoir les remplir. Sachant que là, je me suis refait un truc complet. Je devrais être tranquille un moment. Donc, portable tank qui coûte pas très cher à produire. Voilà.
Voilà, il est rempli d'eau, il en a 1000, et du coup, si on teste, je peux faire. Je toque. Voilà. Ça coûtera plus d'énergie. Ce sera déjà une économie d'énergie parce que j'ai dépensé énormément d'énergie depuis le début. Beaucoup trop, je pense. Enfin, bref. Donc, ça, c'était une première chose. Donc, on a notre générateur de cobble. Va falloir produire de la lave maintenant. On va faire ça différemment. Faut qu'on produise de la lave. Je suis en train de regarder si j'ai pas quelque chose à planter. J'ai que ça comme graines, creeper, plant seed, mais ça sert à rien. J'avais une belle graine toute propre, prête. Mais je l'ai perdue. Enfin, je l'ai perdue dans l'explosion de la dernière fois. Malheureusement. Ouais, je l'ai pu ici. Donc ça pue un peu des fesses. Enfin bref. Donc on va se faire une production de lave que je vais placer bon, quelque part ici, c'est pas gênant. Alors pour ce faire, on va réutiliser un truc que j'avais avant. Que je dois plus avoir en fait. Non, je ne l'ai plus. C'était un crucible. C'était ce truc-là. Est-ce que je peux fabriquer de la clé? Du slag, j'en ai pas du slag aussi. Ouh, je crois que je vais être dans la merde, les amis. Parce que de la clé, il n'y en avait que là. Et j'ai tout pris. Ouais, j'ai pris la seule clé qui restait. Donc, je suis un peu dans la merde. Je vais regarder rapidement s'il n'y a pas un peu de clé autour, mais sinon je crois que. Ça m'embête un peu, mais je crois que je vais pas avoir le choix, je vais devoir. Je vais devoir ben, malheureusement m'en guiver, sinon ce sera la fin de cette aventure et ce sera un peu dommage. Si je regarde mon book and quête pendant que je réfléchis, donc ça c'est fait. Est-ce que ça m'a débloqué de nouveaux trucs? Non. Ah. Quoi, faut que je tue un Enderman. Oh, ça va être chaud. Bon, ça on verra plus tard. Donc ouais, je suis vraiment dans le boudin. Il n'y aurait pas une quête ici que je pourrais finir. C'est quoi celle-là? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé. Ça m'embête. Je reviens. Ouais, pas le choix, les amis. Il me faut de la clé. Donc, je fais ça devant vous. Je vais en prendre 7, ce qu'il me fallait. Et on retire le game mode. Désolé, hein, pour le coup. Si jamais il y avait une solution, dites-le moi et j'essaierai de me punir pour cet affront. Mais là, je vois pas. Hein, sinon. Donc on refait le crucible que j'avais perdu la dernière fois, on le fait cuire. Et ce truc-là, si je ne dis pas de conneries et Dieu sait que j'en dis, c'est censé produire de la lave, si on lui donne une source de lave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la lave qui était là. Où est-ce que je vais faire ma production de lave? Je vais la faire ici. Voilà, là on est à 1000. Ah non, attendez, 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 attendez. Je dis peut-être encore une fois des bêtises. Normalement, je crois que ça marche comme ça. Il faut mettre de la lave en dessous. Speed 0,2 MB par tick. Voilà, et c'est censé produire de la lave si on met de la cobble. C'est ça, voilà. Solide cobblestone, c'est en train de descendre, et fluide lave, j'en ai. Donc il faut que ça chauffe, il faut lui donner de la cobble. Donc il fallait quand même un peu de cobble là-dedans. Sachant que du coup, je suis un peu un boulet. Non, je suis pas un boulet, parce que c'est rattrapable, je peux faire ça. Et me faire un peu plus de cobble. Alors, on récupère un petit peu de cobblestone, de cobble bleu. Ça m'embête vraiment hein, d'avoir perdu ce crucible et d'avoir dû rechuter de la clé, mais là pour le coup je vois pas vraiment comment j'aurais pu faire autrement. Cette fois-ci je ne sors pas les amis, hein, je tente pas de ressortir. Je reste bien au chaud. Bon, je pense que j'aurai assez de cobble pour faire. Je toque.
pour faire ce que je veux faire. Parce que je suis près de la lave en fait. Ouais, je sais pas si c'est parce que je suis près de la lave ou parce qu'il fait chaud, mais je crois que ça doit être ça. Donc, fluide lave, il en est à 153 MB, donc ça produit un petit peu. L'idée, c'est qu'il arrive à me reproduire une autre source, en fait, tout simplement. Et ouais. Donc, je vais laisser ça travailler. Ce que je vais faire, c'est que je. En attendant. Donc, si jamais. Faudrait que je me débarrasse de ça, ça prend la place dans mon inventaire pour rien. Voilà. Admettons que là, je vais avoir une production de lave. Mais du coup, il faudra un générateur de cobalt que j'ai ici. Il faudrait l'automatiser, ce serait chouette. Et je pense que le plus simple, ce serait d'avoir une transfert node. Mais ça doit coûter un petit peu cher. Déjà, ça coûte en redstone. Est-ce que j'ai de la redstone? Oui, de la redstone, j'en ai. Il faut de l'or, des slabs. Du coup, il faudra que je refasse cuire de la cobble. Je vais attendre un petit peu. Merde, avant de faire cuire de la cobble, je vais attendre un petit peu de voir combien. Si j'arrive à générer un seau de lave, là, pas encore. Pour peut-être remettre un peu de cobble. Ouais, donc ça, je vais attendre un petit peu. Ce que j'ai ici, là, je peux le mettre, je peux le placer là-dedans. Ça va être process. Bonjour, monsieur Garnick. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. En attendant, bah, je vais faire des. Ah, nickel. Je vais récupérer ça, je vais replanter. Récupérer le bois aussi. Ah. On peut en faire avec des sticks comme ça. Ça coûte moins cher, enfin ça coûte pas d'os du coup, mais à mon avis ça doit durer moins longtemps. On voit qu'il y a un mob ici bloqué. Enfin qui se cache. Il ne mourra pas. Alors, des sapines, j'en avais encore un peu. On va dégommer tout ça. Allez, 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 allez. Donc, je pense que le premier gros truc que je vais faire, enfin, la première grosse automatisation que je vais faire, à part la cobble et la lave, ça va clairement, clairement, clairement être une ferme automatique d'arbres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est. Je crois que ça va être juste. Primordial. Du coup, ça me permettra d'avoir beaucoup d'eau. Parce que là, du coup, j'ai eu qu'une seule pousse. Cette arnaque. Hors caméra, je vais vraiment farmer tout ça parce que c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Ah, 900. Ah ouais, ça va arriver là. Donc, je vais juste attendre un peu pour pouvoir le récupérer. 940. Oh, j'ai bientôt de quoi en refaire un. Oh, purée, c'est déjà la dèche. Ah, plein de trucs à récupérer. Donc, on va tout de suite se remettre à ranger. Hop. Je pense que c'est bon. On va récupérer une petite cobble qui était là. 1000! Stock! J'ai récupéré un seau, donc je peux refaire ici mon générateur à cobblestone. Ok. Donc on va. Maintenant que j'ai suffisamment de cobblestone, je vais en faire cuire. 3. 3, ça devrait suffire pour ma transfert node. Non, il m'en faudrait 5. Alors, ah, faut que je casse ça pour récupérer les sticks. Ce bloc-là. Oh, je m'en fous de ce bloc-là. Allez, hop. Je peux faire quoi en attendant? Je peux faire un coffre. Je peux aussi faire un bloc de redstone.
Ah, il me faut deux fenêtres. Hop et hop. Hop et hop. Faudrait que je fasse cuire ça aussi. Pourquoi je me suis déshydraté si vite? Ça me saoule. Ça doit être parce que je suis près du four, je suppose. C'est chiant. Ouh, une sapline ici. À moi. Alors, j'ai prévu de creuser par ici et me mettre sous le sol. Je pense que ce sera le meilleur moyen d'avoir la paix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment qu'on sera tranquille du coup. Voilà, et la transfert node. Tada! Transfert node, à quoi ça sert? Vous allez voir tout de suite, si je la mets ici, ça me génère de la cobble. En fait, ça va miner à ma place, et ça en génère plutôt pas mal en fait. Donc je pense que je vais faire hors caméra, c'est que je vais bouger tout ça et le rapprocher ici. Ouais, je pense que je ferai ça. Limite, vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra, j'en reviens dans un petit instant, tout de suite. Attention les amis, ça crame un petit peu. Mais ça va. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté une deuxième transfert node ici. Pour normalement... Pourquoi ça veut pas marcher? Pourquoi il marche pas avec le transfert node? C'est bizarre ça. Moi, ouais, il la détecte bien, mais il arrive pas à envoyer là-dedans. Peut-être que c'est que par au-dessus qu'il peut piper. On va tester ça tout de suite. Du coup, normalement, j'ai quelques tuyaux en rab. Non, il veut pas piper. Hein. Je sais pas pourquoi il veut pas piper avec ça. Bon, écoutez, ça marche pas avec les transfert nodes. Tant pis, j'ai crafté une transfert node pour rien, ou je ferai peut-être un deuxième générateur de cobalt plus tard. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter pour cet épisode. Ouais, je vais arrêter pour cet épisode. Il me faut vraiment que je me refasse encore de la flotte parce que c'est dangereux, c'est chiant de manipuler la lave, tout ça. Donc au prochain épisode, j'avancerai un petit peu, mais je ferai rien de concret sans vous. Je vous dis à la prochaine et salut à tous!